Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce dernier vlog avant les Vlogmas! Nous sommes mardi 16 novembre et il est 16h presque 20. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis fatiguée. Ça y est, la reprise. La reprise du boulot. Je ne vous ai pas repris hier parce que j'ai repris le travail hier et que le temps de me remettre dedans, etc. J'étais quand même fatiguée hier soir. Aujourd'hui, encore plus parce que j'ai passé toute ma matinée au téléphone et ça s'est enchaîné. J'en peux plus, là actuellement je n'en peux plus, mais voilà, je comptais quand même ouvrir ce vlog aujourd'hui parce que j'avais envie, raison première, et de deux, j'avais des choses à vous dire, notamment, premier point, par rapport au Vlogmas. Ça y est, c'est le dernier vlog avant les Vlogmas et le tout premier Vlogmas arrivera sur la chaîne le jeudi, je crois, 1er décembre. Je n'ai pas encore d'heure précise, j'hésite entre 18 et 20 heures. Je sais pas, tout dépend comment va s'enchaîner un petit peu cette semaine, je vais y réfléchir. Mais voilà, ce sera soit 18, soit 20 heures. Je ne sais pas encore trop. Si tu voulais bien me donner ton avis, ce serait franchement sympa. Je pense peut-être rester sur 20 heures parce que comment ça va se dérouler? Eh ben, je vais filmer le premier jour, peut-être réussir à commencer le montage le soir. En tout cas, je fignolerai le montage le lendemain pour pouvoir le poster. J'ai peur que 18h ce soit vraiment juste. Donc je pense que je partirai plutôt sur 20h. Comme ça au moins, ça me laisse un petit peu de marge. Et je pense que ce sera pas trop mal, 20h. Et voilà, pour les Vlogmas. Donc ils vont commencer le 1er décembre. Donc ça voudra dire que j'aurai filmé une journée avant le 1er décembre. Je vous expliquerai tout à ce moment-là, vous inquiétez pas. Et ils vont se terminer potentiellement le 25, avec peut-être une vidéo bonus le 26. Je vais voir comment les choses un petit peu se goupillent. Et puis voilà, en tout cas, j'ai beaucoup trop hâte. Je pense que ça va être cool. J'ai essayé de vous prévoir quand même quelques petites choses pour pas que ce soit trop redondant et qu'au final, tous les jours, je vous parle des mêmes choses, de mes avancées lecture, etc. Parce que je vais pas pouvoir faire non plus des vlogs de 40 minutes, ce sera impossible. Franchement, si les vlogs masse font entre 15 et 25 minutes, ce sera franchement déjà pas mal. Peut-être pas le premier, mais bref, on verra. Ce sera déjà pas mal parce que, il y a du boulot quand même. Et voilà. Ensuite, deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est comment vous expliquer ça. J'ai repris le travail hier et je vous avais parlé d'un projet il y a quelques temps. Pendant un hall action, je vous avais dit que j'avais un projet, un très très vieux projet que je voulais ressortir et c'est un très très vieux projet mais que je travaille quand même depuis longtemps et voilà, ça n'a rien à voir et de toute façon je vais pas vous dévoiler ce que c'est tout de suite, pas dans l'immédiat, peut-être dans quelques mois, on verra bien. Mais en tout cas hier j'ai repris le travail et en fait j'ai une de mes collègues qui participe à un atelier d'écriture qui m'a demandé de lire son texte et de le liker si j'aimais bien, etc. Son texte était génial, vraiment génial. Donc forcément, je l'ai liké. Et forcément, j'ai eu aussi envie de participer à cet atelier d'écriture.
qui m'a tout de suite charmée. C'est franchement une méga bonne idée. Je vous en parlerai peut-être de manière un peu plus approfondie demain, parce que là, franchement, sincèrement, j'ai le crâne comme ça. Je le sens, vous savez, déjà j'ai ma migraine, comme d'hab, hein, j'ai toujours pas récupéré mes nouvelles lunettes pour le moment. Et donc j'ai ma migraine et j'ai eu tellement de trucs en tête que j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Mais voilà, du coup j'ai participé à cet atelier. La fin de cet atelier est le 30 novembre, donc je pense que d'ici à ce que je poste ce vlog, mon texte sera terminé. Donc je te le mets juste en dessous, en barre d'infos. Je t'invite à le lire et à y mettre un petit like si tu le veux bien, parce que cet atelier d'écriture en fait permet à celui qui reçoit le plus de likes d'avoir une carte cadeau de 50 euros je crois chez Cultura. Donc voilà, au moment où je te parle, je suis en train d'écrire en fait ce texte, et c'est un texte qui me tient énormément à cœur. Je l'ai commencé hier soir, donc le texte doit faire 5000 signes max et j'en suis à 3900. Donc pour te dire que j'ai carburé tellement c'est sorti tout seul, donc il me reste encore quelques petites choses à peaufiner, mais au moment où sort ce vlog, le texte est finalisé et il est en barre de description. Donc je t'invite à aller le lire et à me mettre un petit like si tu le veux bien. Voilà. Même si je ne remporte pas la carte cadeau, c'est un signe d'encouragement et voilà. Donc j'en ai l'émotion dans la voix parce que ouais, il me tient extrêmement à cœur. J'ai plus de batterie, j'ai complètement oublié de recharger la caméra. J'ai énormément avancé, il me reste plus que ça, j'ai énormément avancé dans Creation City, mais je pense que je t'en parlerai demain parce que là ça va couper, j'ai plus le temps. Voilà, en tout cas j'ai ouvert ce vlog, je t'ai parlé de mon texte, j'espère qu'il te plaira et voilà, à demain. Ok, finalement, je vous retrouve un petit peu plus tard.
je vous ai un petit peu chargé le temps que j'écrive, comme je voulais montrer très certainement juste avant, enfin je l'espère. Du coup, ça y est, j'ai terminé mon texte pour l'atelier d'écriture. Il y a encore quelques petites choses à peaufiner, mais il est terminé. Je l'ai lu à Monsieur Chaton, qui pour voir un petit peu ce qu'il en disait, bon, même si lui il n'est pas du tout lecture, et bon, j'ai terminé en pleurant. Forcément, c'était un passage obligé. Je n'ai pas pleuré en l'écrivant, quoique je tremblais quand même, mais en le lisant en fait à voix haute, ça m'a submergée. J'espère que ce texte te plaît. Je le redis, mais il est en barre de description si tu souhaites aller le lire et me laisser un petit like. Ce serait vraiment, vraiment super mignon de ta part. Je te mets aussi le lien du texte de ma collègue parce que son texte est vraiment super aussi. Quand je l'ai lu, j'ai été « Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, je l'ai trouvé vraiment super. Donc, je te mets également le texte de ma collègue. Et si tu peux lui laisser un petit cœur et un petit peu de force aussi, franchement, ce serait vraiment super mignon. Et voilà. Et je te mets également le lien si tu souhaites participer. C'est jusqu'au 30, au 30 novembre. Et je vais quand même te dire ce qu'il en est. C'est un atelier d'écriture, je ne connaissais pas du tout. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, c'est ma collègue qui m'en a parlé. Du coup, je suis allée voir et c'est Zoé Pataki. C'est une chroniqueuse littéraire sur France 3 qui l'a mis en place avec Tom Lowdy, qui est un écrivain français. Et du coup, ils ont organisé, enfin ils ont mis en place cet atelier d'écriture avec, comme je vous l'ai dit un tout petit peu plus tôt, je vais vous lire, c'est sur Instagram, mais je vais vous le mettre. Lancement de notre premier atelier d'écriture avec Tom Lowdy officiel. Tom est un ami mis sur mon chemin lors d'une reconversion professionnelle. Des parcours chaotiques et notre amour de la littérature ont fait naître une belle amitié. C'est avec une grande excitation que nous lançons cet atelier. La thématique choisie ce mois-ci, donc ça voudra dire qu'il y aura d'autres ateliers, ce serait génial. Racontez-nous un moment de vie extraordinaire, qu'il soit émouvant, scandaleux, magique ou drôle. Un événement hors du commun ou sensationnel. Le principe, écrire un texte de 5000 signes maximum sur la page web. Donc Tom l'a dit, je vous mets le lien. Date limite pour participer, 30 novembre à 21h. Vous pourrez ensuite repartager en story le lien suivant pour que les gens votent pour votre texte. Le texte qui aura comptabilisé le plus de votes remportera une e-carte cadeau Cultura de 50€. Bonne chance à tous et nous avons hâte de vous lire. Donc, je vous partage cette information. N'hésitez pas à aller participer si vous aimez écrire. Ce serait vraiment chouette qu'on se retrouve là-bas et donner de la force à Zoé et à Tom qui, je trouve, ont mis un atelier hyper cocooning en place. Enfin, cocooning, c'est pas le mot, mais je suis encore un petit peu retournée. J'ai de nouveau plus de batterie. J'avais pris Crescent City pour vous en parler. J'ai pas laissé charger assez longtemps, visiblement. Voilà, n'hésitez pas soit à y participer, soit à aller jeter un petit coup d'œil à nos textes pour nous donner un petit peu de force. Et je vous parlerai je vous parlerai de Crescent City demain. Ok, c'est un autre coup de cœur de cette année. Voilà, c'est le petit teaser. Allez, à demain. Et bah coucou vous. Ça faisait longtemps. On est mercredi et il est 16h10. Je rentre du travail. Je ne vous ai pas beaucoup repris hier parce que, comme aujourd'hui, j'ai mal au crâne, j'en peux plus. J'ai appelé entre midi là pour entre midi à ma pause à 10h ce matin pour voir où est-ce que en étaient mes lunettes. Donc je devrais les avoir soit demain, soit après-demain. Donc j'espère vraiment parce que là, j'en peux plus de ces maux de crâne. Je n'en peux plus.
En même temps, c'est de ma faute. J'aurais très bien pu aller chez l'ophtalmo bien plus tôt, mais en fait, j'avais pas cette information cruciale, à savoir que ici, en Charente, c'est une catastrophe pour trouver un médecin, peu importe sa discipline. En fait, c'était à la rentrée, en fait, que j'ai appris qu'il y avait un nouveau centre médical ophtalmo qui avait ouvert et qui prenait très rapidement, donc j'ai pris là. Donc c'est de ma faute sans trop l'être quand même. Bon bah j'ai pris et j'ai eu rendez-vous que là, mais là franchement j'ai hâte, j'en peux plus. Du coup, ce qui fait que je ne vous ai pas tellement repris hier, parce que ben pareil, encore la migraine, je ne sais même plus ce que je vous ai dit, en plus je crois que c'était complètement décousu, j'en suis désolée, en plus pour une ouverture de vlog c'est pas terrible. Du coup, là aujourd'hui je vous ai posté ma petite nouvelle sur Instagram, donc déjà merci énormément, mais du fond du cœur pour les personnes qui sont allées voir et qui m'ont mis un petit cœur de soutien et de force. Et c'est un texte qui me tient vraiment à cœur, qui est sorti tout seul, qui voilà, bon, il y a des couacs de frappe, je suis dégoûtée, pourtant je l'ai relu 25 fois. Mais bon, j'aurais peut-être dû le faire lire à quelqu'un d'autre avant. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je m'améliorerai pour le mois prochain, en espérant qu'il y ait un autre atelier le mois prochain. Et du coup, voilà, mais j'en suis vraiment contente et j'espère qu'il te plaira. Et voilà. On en vient à Crescent City. Je vais enfin t'en parler parce que je suis pratiquement à la fin. Il doit me rester 836. Oh là 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 là. Il me reste à peine 200, un peu plus de 200 pages. Je suis trop triste. Hier je n'ai pas lu parce que bah j'ai travaillé du coup sur mon petit texte et j'avais trop mal à la tête, donc du coup j'ai pas lu hier. Et j'avoue que là ce soir je vais essayer de pas trop lire, comme ça il durera un petit peu plus longtemps. j'ai vraiment pas envie de le finir. C'est voilà, je le dis maintenant, parce que de toute façon ça se voit, peut-être ça se ressent, je ne sais pas. C'est un autre coup de cœur de cette année 2022 et je suis au bout de devoir attendre, je crois que le tome 2 sort en janvier, mais il sort... Non, il sort en décembre, mais il sort en grand format. Moi c'est un format poche que j'ai. Et je vous avais mis une petite story sur Insta pour vous le dire. Étant un peu psychomaniaco-rigide, quand j'achète un livre, mais encore plus quand c'est une saga, quand j'achète un tome de saga, si je l'achète dans une édition, un format, les autres tomes qui suivent dans la saga, il faut qu'ils soient pareils. Je pourrais pas me dire j'en ai un petit, un grand, enfin dans la bibliothèque ça fait moche quoi. Et donc voilà, donc là je sais qu'en décembre il sort chez, je crois que c'est chez De Saxus en grand format, et là je l'ai en chez l'édition, chez la maison d'édition plutôt, j'ai lu en format poche, donc je ne sais pas s'il va sortir dans le même temps ou s'il faudra attendre un petit peu. Donc c'est pour ça que je retarde un peu, mais en même temps 200 pages d'ici la fin de la semaine grand max il est terminé. Mais c'est un immense deuxième coup de cœur, enfin deuxième coup de cœur, il y a d'autres coups de cœur, mais en saga, enfin, les autres aussi, bref, c'est un immense coup de cœur. J'adhère complètement. Je ne vois absolument rien, mais rien de négatif. Tout est parfait. En fait, c'est génial. Et quand j'ai su l'époque à laquelle
ça se passait, parce que c'est pas spécifié sur la quatrième de couverture, ça se passe en 15 035. C'est génial. Alors, si je te le dis, ça se passe en 15 035, comme ça peut paraître un peu science-fiction, mais on le sait tard, l'année où ça se passe. Et au début, moi, je pensais que c'était... Je sais pas, c'est bizarre, parce que c'est ultra moderne. Ils ont des technologies modernes, c'est-à-dire comme nous, les téléphones, le Wi-Fi, etc., etc. Pourtant, dans les descriptions de la ville, etc., ça me fait penser à un univers un peu plus médiéval. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. En même temps, c'est du fantasy, donc forcément, c'est un univers à part entière. Et on n'a pas l'impression de lire de la science-fiction. Enfin, ça n'a absolument rien à voir. C'est génial. C'est génial. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est un page-turner incroyable. Alors, je sais plus quand je vous ai laissé la semaine dernière. Je sais plus à où j'en étais. Je ne sais plus du tout. Par contre, dimanche... J'ai lu 253 pages et je les ai pas vues passer. Enfin, allez-y, qu'on puisse en discuter et lire le tome 2 ensemble. c'est de l'adulte. Par contre, là, on n'est pas du tout dans du new adult, du young adult. Là, on est vraiment dans de l'adulte, parce qu'avec les 4 gros mots qu'il y a par page, j'exagère un peu, mais là on est vraiment dans de l'adulte et c'était génial. Et on est clairement sur un enemies to lovers. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand les deux personnages, on va dire principaux, au début du roman sont complètement ennemis, donc enemies. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a le lovers qui commence à s'installer. Je l'ai pas retenu. Non. Il faut quand même attendre. Attendez. 792 pages pour qu'il se passe des choses un petit peu coquines. Mais l'attente, je sais pas comment dire, parce qu'il... Il se passe tellement de choses tout le temps. Mais l'attente valait la peine. Vraiment. C'est génial. C'est génial. Voilà pour mon avis absolument remarquable sur Crescent City. J'arrive pas en fait dissocier ce que je peux vous dire, ce que je peux pas vous dire, parce que je veux pas vous spoiler. Mais en même temps, il faut que je vous dise à quel point c'est bien. Putain, c'est bien. C'est vraiment, vraiment bien. Non, franchement, c'est une très, très bonne lecture. Je suis ravie de découvrir Sarah Dimas. Voilà. Bon, et ben écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. J'ai l'impression que je me suis pas mal répétée par rapport à hier, par rapport à l'atelier d'écriture. J'en suis désolée, je vais essayer d'arranger ça. Là, j'ai toujours autant mal à la tête, donc c'est toujours pareil. J'ai les idées, j'arrive pas à parler normalement et de manière fluide. Espérons que demain, je puisse avoir mes nouvelles lunettes. Maximum vendredi, parce que je vais pas pouvoir attendre encore beaucoup plus, j'en peux plus. Ça fait des mois que j'ai le cerveau qui pète un câble, et donc ce serait bien que le pauvre il se mette un petit peu au repos. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Est-ce que je vous retrouve demain? Je vous retrouve demain si j'ai mes nouvelles lunettes. Sinon, je vous retrouverai vendredi. Ce sera plus simple, parce que généralement je finis le travail plus tôt le vendredi, donc j'aurai un petit peu plus de temps. Et dans tous les cas, on se retrouve samedi, parce que je vous emmène quelque part. Et voilà. Et recoucou. Alors, je vous retrouve, on est samedi matin, il est 9h10. On est sur une coupe approximative du samedi, c'est-à-dire modelée avec du shampoing sec.
On est dans la mauvaise période du mois, donc je bourgeonne de partout. C'est magnifique. Je suis désolée, je vous ai pas retrouvé ni jeudi, ni hier vendredi. Jeudi, je vous avais dit je vous retrouverai si j'avais mes lunettes, je ne les ai pas eues. Je voulais vous retrouver vendredi, mais j'avais d'autres choses à faire et j'ai toujours pas mes lunettes. Je les ai appelées mercredi. Je crois que je vous l'ai dit, on m'a dit que j'allais les recevoir, enfin que eux allaient les recevoir jeudi ou vendredi. Hier soir, j'appelle. Ah, je les ai toujours pas. Peut-être demain. En soi, je m'en fous d'attendre. Le problème, c'est que j'ai mes putains de migraines. Je suis désolée, mais. Et j'en peux plus. Voilà. Donc j'espère que je vais les avoir aujourd'hui. Parce que là, c'est bon, stop. Et voilà, je suis désolée si vous entendez un peu de bruit. Il y a Sony. Il y a Monsieur Chaton juste derrière qui prend sa douche. Parce qu'on va partir sur Angoulême. Je suis très contente. Est-ce que je vous le dis tout de suite ? Oui, je vous le dis tout de suite parce que je pense que vous avez peut-être dû le voir dans la miniature. Je sais pas si c'est ça que j'ai mis en miniature. Mais nous allons à Cultura. Moi, personnellement, je suis très contente. C'est comme si là, j'allais à Disneyland. Monsieur est un peu moins emballé, mais bon. je voulais qu'on y aille ensemble quand même pour passer un petit moment ensemble. Et voilà, sachez que la prochaine partie de la vidéo est entièrement sponsorisée par les chèques cadeaux culture. Là, j'ai reçu du travail en fait des chèques culture, cadeaux là. Et voilà. Et comme je ne peux les utiliser qu'en culture, ben forcément, je vais aller chez Cultura. Forcément, parce que y a pas tellement en fait d'enseignes qui les prennent. L'espace culturel ici à Leclerc ne les prennent pas. Donc c'est Cultura, Fnac et après plein d'autres genres de librairies que j'ai pas dans le coin ou alors sincèrement, je vais être honnête, j'ai pas le temps d'aller voir si toutes les enseignes sont dans le coin. En tout cas, sur Cognac, il n'y a rien, c'est sûr. Peut-être un peu plus sur Angoulême. Mais je pense qu'il faudrait rentrer dans le centre-ville et flemme. Donc Cultura, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, on verra si je craque autant que ce que j'ai prévu de craquer ou pas. On verra ça. En attendant... Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais j'ai terminé Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang. Je l'ai terminé jeudi soir. Hier, j'ai pas réussi à lire. Je m'étais prévu d'enchaîner avec le Chant d'Achille. Et comme c'est le challenge cocooning automnal, vous avez vu depuis le début du challenge, j'enchaîne en fait les lectures. Et là, j'y arrive pas, en fait. J'arrive pas à enchaîner parce que je suis beaucoup trop encore ancrée à cette histoire. Les post-it, c'est rien, en fait. Dans mon bullet journal, je me mets combien de pages je lis par jour pour voir le nombre de pages que je lis par mois. Donc c'est rien de foufou. Où est-ce que j'en étais ? Je sais plus du tout où j'en étais, il est tôt. C'était génial. Je vous le recommande et recommande fois mille. J'ai terminé ce bouquin en étant complètement perdue. vous savez cette sensation absolument horrible où t'as fini un bouquin et tu te sens seule au monde, mais seule. Vous voyez, pas comme dans la chanson « Je suis seule au monde ». Non, là, tu es seule au monde. Tu vois la différence ? C'était horrible, c'était génial. Enfin, la sensation était horrible, le bouquin est génial. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi j'ai tant tardé à le lire ou à me l'acheter. C'est génial, c'est vraiment... Il y a tout ce que je veux retrouver dans de la fantasy, romance, fantasy, adulte, il y a tout.
Il y a tout. Il y a des stratagèmes, il y a de la trahison, il y a des rires, il y a de la joie. J'ai pleuré, j'ai été énervée. La romance, enemies to lover, est géniale. Je pense savoir d'où vient mon mal-être et pourquoi j'étais aussi atteinte, en fait, à la fin de cette lecture. C'est que je sais que le tome 2, ce sera sur la maison de la mère et je sais plus quoi. Donc, ce sera sur une autre maison. Donc, on ne va pas retrouver Brice et Atalar et Syrinx et Jessiba et tous les autres. Et... enfin, peut-être qu'on les retrouvera dans le tome 2, mais ce sera plus leur histoire principale, en fait. Surtout à Brice et à Talar et Syrinx. Franchement, 2 jours après, j'ai encore le cœur brisé de me dire que peut-être que je ne retrouverai jamais Syrinx. Ceux qui l'ont lu, vous comprendrez. Si vous venez à le lire, vous comprendrez. Syrinx, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que j'ai autant le cœur brisé. Si je savais que c'était une suite, bon, là, ok, tu te dis, ça fait mal, il faut attendre un petit peu avant de les retrouver. Ils t'ont tous abandonné de manière horriblement lâche, mais tu vas les retrouver, c'est pas grave. Là, comme je sais que c'est sur une autre maison, ça me brise le cœur. Je me dis, mais qu'est-ce que... Et la suite ? Et après, en fait ? Qu'est-ce qui va leur arriver à Brice et à Talar maintenant que tout ça, ça s'est passé et que je veux pas vous spoiler, donc j'essaye de rester vague. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour eux? C'est quoi la suite? Et je sais pas, en fait, si je vais avoir la suite dans le tome 2. Et même si j'ai la suite, bah ce ne seront plus eux, en fait, les personnages principaux. Et ah, je vous jure, j'ai une pointe au cœur, ça me fait mal au cœur. Écoutez, je crois qu'il a dépassé Nevernight. Bon, après, non, je peux pas dire ça parce que Nevernight, je l'ai dans le sang. J'ai été tellement dans les mêmes états que je peux pas dire qu'il est au-dessus de Nevernight. C'est complètement différent. Mais disons que, ouais, c'est un autre coup de cœur ultime de cette année. C'était... franchement, alors, il fait 1054 pages avec les remerciements. Il fait 1050 pages, sinon uniquement l'histoire. N'aie pas peur. N'aie pas peur du tout. Les pages se tournent toutes seules, un peu comme par enchantement. T'as lu 150 pages et tu t'en es pas rendu compte. C'est vraiment, vraiment très addictif. Il n'y a pas de moment où alors je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais trop à fond dedans, mais il n'y a pas eu de moment plat. Tu sais, où tu t'ennuies souvent à certains moments dans les lectures, où c'est un peu plat, c'est des descriptions. Là, tu n'as pas où, vraiment... où je suis désolée si tu en retrouves, si tu le lis, mais personnellement, je n'ai vraiment pas retrouvé de moment plat. C'était top. Tout le temps des rebondissements, tout le temps de l'action, tout le temps quelque chose. Ou alors, si c'est pas une action en soi, t'as une trahison qui arrive ou t'as autre chose qui arrive. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Je l'emploie rarement, ce mot. C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est du génie à l'état pur. Sincèrement, c'est ce que j'ai mis dans mon post aussi sur Instagram, à l'attention de Sarah Dimas. C'est du génie, mais vraiment du génie. Pour que je lise les remerciements, les gars, tellement je n'arrivais pas à lâcher physiquement le bouquin pour que j'aille à lire tous les remerciements, c'est que vraiment, je pouvais pas le lâcher. Et comme je l'avais mis dans mon post, je crois, ouais, la dernière fois où j'ai lu les remerciements, c'était pour Nevernight, donc un autre coup de cœur. Et avant ça, la seule et unique fois que j'avais lu les remerciements à la fin d'un bouquin, c'était pour Twilight.
mon coup de cœur ultime Twilight à l'époque. Et voilà, sur trois sagas, parce que c'est vrai que je lis beaucoup de sagas parce que j'aime bien quand ça tire dans la longueur, et bah il fait partie de ceux où j'ai lu les remerciements. Enfin, tellement je ne pouvais pas lâcher. Puis je me suis dit, peut-être que dans les remerciements il va y avoir un indice sur la suite. C'est la meuf complètement psychopathe qui se dit jusqu'au bout que peut-être que... Bon, effectivement, non. C'est pas un spoil. Mais l'épilogue nous laisse tellement... En même temps, l'épilogue, la toute fin de... Ah bah non, je dis n'importe quoi. Dans l'épilogue, c'est pas ça qu'on nous dit. Bon, c'est pas grave. Je sais, là je parle toute seule et vous comprenez absolument rien de ce que je suis en train de vous dire, mais si vous le lisez, vous comprendrez. Mais vraiment, c'est... Ouais, coup de cœur ultime. Après Nevernight et Twilight, il y a 15 ans en arrière, quoi. C'est génial. Et à tel point que je n'arrive pas à enchaîner, en fait. Je m'étais prévu du coup d'enchaîner avec le chant d'Achille pour compléter au maximum le challenge et mes items, mais j'arrive pas. Vous savez, la sensation quand on a fini un bouquin, qu'on a été tellement avec les personnages, tellement dans l'histoire, que t'arrives pas en fait te replonger ailleurs pour l'instant. Je suis encore trop dedans, mais va falloir que je me bouge parce que le challenge est bientôt terminé, dans un petit peu moins d'un mois, et je voudrais au moins clôturer un menu. Si je pouvais clôturer au moins un menu, ce serait bien. Et d'ailleurs, ça, j'en reviens à ça parce que quand je vous avais fait ma palle pour le challenge cocooning automnal, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Oh, mais moi, je fais pas de challenge, ça me met la pression, etc. etc. » Vous voyez que moi, je me mets pas du tout la pression. Si je pouvais clôturer les deux menus que j'avais choisis, ce serait génial. Si j'arrive à en clôturer un, déjà, ce sera pas mal. Et si j'arrive pas à le clôturer, c'est pas grave, en fait. Pour moi, en fait, le fait de faire le challenge, c'est de me dire, déjà, je vais lire les bouquins qui sont dans ma palle depuis un moment, enfin pouvoir les sortir, et éventuellement, comme avec Crescent City, en découvrir d'autres. Mais voilà, je me mets absolument pas la pression. Mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais pas pu clôturer du tout de menu. Donc si cette année, là, franchement, il me reste... Pour clôturer le menu où il y avait Crescent City, il me reste le chant d'Achille et le lien magnifique, je crois que c'est ça, d'Anne Rice, qui est le premier tome de la trilogie de la saga des sorcières. Et donc si j'arrive à clôturer ce menu, franchement jusqu'au 15 décembre, lire le chant d'Achille qui fait à peine 468 pages et... Le lien maléfique, je crois qu'il fait un peu plus, je crois qu'il est dans les 500. Franchement, c'est largement faisable. Donc, il va falloir que je me mette un petit coup de collier. Et je vais attaquer ce week-end, tout à l'heure, je pense ce soir, cet après-midi. Je vais attaquer le chant d'Achille et voilà ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Mais lisez Crescent City. Par pitié, lisez Crescent City. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Comme je vous l'ai dit, je sais pas si je vais réussir à filmer dans Cultura, sauf si Monsieur Chaton veut bien me cacher. parce que voilà, c'est compliqué de filmer comme ça en extérieur, intérieur des magasins. Et voilà, je vais essayer de vous faire quelques plans, mais c'est pas dit. Et puis, on se retrouvera à mon retour. Je vais pas y arriver ce matin. J'ai encore... Tous les neurones ne sont pas encore à leur place. On se retrouvera après pour faire le petit book call. Et puis, voilà. Mais je me dis aussi que j'aimerais bien utiliser la carte cadeau sur la liseuse parce que là, il y a 11... Non, je sais plus.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nouveaux bouquins que je ne sais absolument pas où mettre. Donc bah là, ça va franchement commencer à devenir compliqué. Là, les prochains livres, je pense, en physique que j'achète, ce sera Crescent City, le tome 2, of course. Ce sera Sorcery of Thorns, le tome 2, of course. Et potentiellement, bah, quand même, la suite de la saga des sorcières. Parce que bon, bah, je l'ai en physique, donc je voudrais avoir les autres en physique. Et voilà, mais sinon, bah, là, je vais me contenter de la liseuse parce que c'est juste pas possible. En fait, j'ai pas la place. Arrête de me faire peur. J'aurai éventuellement l'étagère là qui est juste derrière vous. Le problème, c'est que Monsieur Faton a des trucs dessus et qu'il ne veut pas les bouger. Donc, bah, je sais pas. Je sais vraiment pas. Dis pas non de la tête, tu veux pas les enlever tes trucs là? Tu veux bien les enlever? Ah bah voilà, bah c'est ce que je dis. Tes quatre trucs là, on pourrait les mettre ailleurs. On pourrait les mettre ailleurs, ça me ferait une bibliothèque. Une vraie. Elles sont belles. Elles sont belles. Admis. Non, c'est... Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. 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 Donc, bah, malheureusement, je ne peux pas avoir de bibliothèque. Donc, bah, là, ça va être compliqué de les caser. D'ici la prochaine, qui, je te le rappelle, sera le tout premier Vlogmas, donc elle sortira le jeudi, je crois que ça tombe un jeudi, jeudi 1er décembre. N'hésite pas à te servir ton meilleur thé, café ou cacao, latte ou macchiato, à sortir de ta palle le livre qui te fait le plus plaisir. Je te fais de gros bisous.